Yeah.
avec 100 watts, hein, parce que moi j'ai 800 watts aussi de toute manière, donc voilà. Donc ici la température actuellement c'est 20 degrés, mais il a fait bien 22, 23 dans la journée. C'est une très belle journée encore. Donc avec un petit peu du vent du nord là, qui refroidit un petit peu l'atmosphère, hein, mais bon, ben, là on se fait avec. Donc je rencontre le monsieur donc à la base de peut-être à vos 5h30, je vous arrête. Oui, ok Daniel, merci pour le micro. Quelqu'un voudrait s'annoncer pour le QSO des Jeunes éventuellement. Bravo 3, Yoki, Mexico, Mexico, MV3, YGM, votre écoute. Allô, bonjour, c'est Yoki, je vous écoute. C'est pas le cas, il y a un peu de la peine, hein. Les gens, là, on est que 4 là. Ils ont un petit peu de la peine, ils comprennent. Je sais pas, ils sont en vacances, pourtant c'est encore pas l'été, hein, mais bon, ben voilà quoi. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ben, plein de choses. Je vais commencer par la météo, hein. Donc 10 degrés. Hein. 10 degrés, 2-3 petites gouttes de pluie, autrement rien de bien, bien particulier. Si ce n'est que ben, on a Moussa ce matin à 8h30 pour une opération, puis qu'il est encore complètement dans les vapes, mais il va aller de mieux en mieux. Ensuite, de quoi faire, à force de faire les allers-retours, ben, l'antenne qu'elle émène, ben, elle est montée. Voilà, pour ceux qui ont regardé leur matin, là, comme ça vous verrez comment, ça, comment c'est fait, quoi. Voilà, et puis, les mesures ont été faites, ah bien, j'ai pas de jus encore là-bas, mais j'ai pris la bagnole pour tirer du plus et du moins sur le transfert, le Icom 756 tours. Et puis, bah, ça marche pas si mal que ça, hein, donc voilà, le premier temps, donc. Je prends 697, j'ai deux TOF, hein, donc il y a à peu près 11% de perte, donc bah, c'est pas trop mal. Hein. Par contre, les rayons sur 36-46, là où c'est vraiment le top de chez top, après, bah, faut avoir les autres fréquences. Hein. Voilà. Mais vu que l'antenne n'est pas installée définitivement, puisqu'il y a le système en Milan de chaque côté, là, à 22 mètres, mais en tout cas, une chose est sûre que je peux vous affirmer, c'est que je n'ai pas de bruit d'abord en haut. J'ai un F3, F4, voilà. Et ici, je suis à F9.05, je crois. Voilà, ben, c'est sûr, hein. Tout le monde avec leur ordinateur, tout le monde avec leur routeur, tout le monde avec leur box, tout le monde avec leur LED, tout le monde avec leur téléphone machin, portable et tout. Et puis des LED partout dans la rue, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Hein. Voilà, et les trains, j'ai contrôlé, ça fonctionne bien. Voilà, avec la WAP. Ça devrait aller pas mal parce que j'ai fait un contact avec un collègue du côté du Pays-Bas, là, qui était du côté de Strasbourg, et j'arrive déjà à m'excuser sur le délai. Hein. Donc ça devrait aller. Après, on va finaliser un petit peu le tout. Voilà pour les news. Je leur passe le micro, Robert. François, Julien, Trano et Yonkey, pour le groupe, pour tellement vos trois, Yonkey, Mike. Bonsoir, tu casses, tu ne pas Yonkey. Oui, 73, le cas du cas, papa Yankee. Bon, 73 à vous tous, bonne soirée. Bien content de vous écouter, je vais faire un petit tour. Je ne resterai peut-être pas trop longtemps, vous savez pourquoi, mais enfin bon. On va rester un petit moment quand même. Voilà, Christophe, rue 59, pas de problème. 88-73, 88 à Sony. Laurent, 4 états 59 plus 10, plus 15, tu vois. Même avec son voix, ça passe pas aussi fort. Que d'habitude, à quelque chose près. Hein. J'ai un petit peu de bruit quand même derrière, mais enfin, ça passe nettement dessus. Et Daniel, 4 Climat Radio, 59. Voilà, ça marche correctement. Les bons 88 à toi, Daniel. 73 à Laurent, j'ai oublié. 88 à Daniel. Voilà. Et Papa Yankee, F4 Italie, Papa Yankee, Joaquin. Les bonnes 73 à toi. Je crois que tu arrives à peu près dans les 59. Hein. Je verrai au prochain tour. Je ferai encore un autre tour derrière. Hein. Voilà, autrement, pour Grand Nouveau, un petit peu de radio parti. On a retrouvé le grand bouton hier, aujourd'hui un petit peu moins bon, mais quand même, c'est bien parti. Peut-être la pluie demain, je ne sais pas trop. Ils annonçaient un petit peu, je ne sais pas. Il nous en faudrait un petit peu. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Fait 2-3 QSO tout à l'heure sur le TMS, là. Il y a la Guyane, le Tchad, là, qui passait costaud. Et puis le Chili aussi, en petit double, hein, sur le TMS, qui arrivait à fond la caisse. Hein. Voilà, il y a un peu de propagation, comme tous les jours, hein. Pas de propagation sur le 10 mètres, et c'est le 10, le 12, le 15, il y a du monde un petit peu partout. Voilà, sautez du 12, allez, micro à Laurent,
4 Delta Zulu 2 pour l'ensemble du QSO et 5 Juliette Romeo Yankee. Oui, QSL, Robert, Forêt-Claire, Robert, Foxtrot 5, Juliette Romeo Yankee pour l'ensemble du QSO, Florida 4, Delta, Zulu Golf, 59 plus 10 plus 20, Robert, ça marche des feux de Dieu là, t'entends aussi fort que Christophe. Hein. Voilà, donc Christophe c'est pareil, il est plus 20 ici sur l'appareil, et donc plus 10 plus 20, hein. Donc super SBR. Voilà les copains, moi je continue de me familiariser avec mon petit kit wood, et là je suis dans les réglages, hein. Je suis en train de peaufiner les réglages de processeur et de compression, de micro gain et de processeur, là pour être vraiment bien réglé, mais je pense que ça marche pas trop mal. J'ai fait le chili tout à l'heure également sur 10 mètres, hein, avec l'appareil là, sans ampli, sans rien, donc quand ça veut passer, il n'y a pas de souci, hein. C'était pas un gros report, il a passé 55 au chili, mais ça passait. Moi je l'avais 53-54. Et j'ai eu la chance, là il lançait à peine, il n'y avait personne, donc il m'a entendu tout de suite. Hein. Voilà, les copains, bah Christophe, je suis très très content pour toi. Bah écoute, quand vous aurez le temps, là, tu me passeras les photos par mail. Et je suis curieux de voir là, comment tu as installé ta Kelemen. Hein. Voilà, je suis très très curieux de voir comment tu as installé ta Kelemen. Et oh, bah, si tu as deux drosses, là c'est bon, avec la boîte d'accord du 756, tu vas rattraper tout ça. Hein. Tu pourras trafiquer sur toute la bande, simplement avec la boîte d'accord du TX. Hein. Voilà. Et t'as pas besoin d'autre chose, mon ami Christophe, là. Mais déjà la station comme ça, une anime le TX avec ta boîte de couplage interne. Comme tu n'as pas trop de drosses, elle va rattraper son problème. Et tu verras que ça va jouer. Hein. Voilà, et ben félicitations Christophe, tu vois, je demandais qu'à être bien installé cette antenne. Et puis tu vas continuer bien entendu tes réglages. Hein. Après si tu veux la remonter un peu, tu peux la raccourcir un petit peu et la remonter en fréquence. Hein. Voilà les copains, ben ici moi par le QSO tout à l'heure, là, je suis avec le chili sur 10 mètres, un pas de radio, c'était journée pro et activité scolaire, là, et puis balade avec le 4 pattes au bord du lac tout à l'heure. Allez, je retourne le micro du côté de Daniel, je passerai tous les reports là, et je donnerai les salutations au tour suivant. Fox 4 Golf Lima Romeo pour l'ensemble du QSO, Fox 4 Delta Zulu Golf. Et Hôtel Bravo 3, il y a un petit backpack,
Oh là là, le bruit que j'ai, mais c'est infernal. Hein. Je crois que je me suis habitué au chalet d'entendre du bruit à Estroit. Hein. C'est incroyable. Merci, Joachim. Je t'entends la limite du bruit à 59.05 dB. Golfing Radio 05 à 10 dB. Laurent qui est plus 20 dB. Et Juliette Roumé-Yonki, 59 plus 10 et les pointes à 59 plus 20 dB. Voilà, et pourtant Laurent, eh ben, je vais t'envoyer. Ouais, c'est juste un petit peu compliqué, t'es toujours un petit peu fermé du fait que t'as pas WhatsApp. Alors il faut qu'on mette les photos dans notre dossier et puis les mettre directement par mail. Hein. Ce que Fanny va faire là dans un petit moment. Et tu verras, oh oui, bah, là j'ai opté pour une difficulté en inox là, que j'ai coupé à peu près 220 mm. Là. Et puis des contre-écrous, des rondelles, des machins et tout. Le tout est bien garanti avec de la bande vulcanisée, juste en dessus du drapeau. Et puis bah, je parle dans les arbres hein, tout simplement. Hein. Donc là il faut que je raccourcisse un tout petit peu, là, je pense. Hein. Je me rappelle plus si je dois rallonger. Non, normalement je dois raccourcir, c'est le rayon sur 36, donc 46. Là, c'est le top de chez top. Et puis sur 3697, j'ai 2-1 de TOS. Mais c'est incroyable là, quand même. Hein. Il y a vraiment mais très très peu de choses. Alors peut-être qu'il faut que je raccourcisse de 2 cm de chaque côté. Là, je ne sais pas. De toute façon, là, pour l'instant, il n'y a que des ficelles en nylon qui partent. Donc le ballon est à 6 mètres et puis les deux points sont à peu près à 4 mètres du sol dans les branches. Voilà, où il y a les isolateurs. Voilà. Donc comme ça, vous allez pouvoir bien voir tout. Je pense que je t'ai reçu les photos. J'ai la même chose, et puis j'ai un Y, que je crois pas que t'as reçu, hein. Donc, voilà pour les news, et maintenant, donc, je vais donc repasser le micro du côté de Robert, France 5, Juliette Roumé au Yonki, pour le QSO des aînés, au fait bravo 3, Yonki Mike. Ouais, QSO, Christophe, pas de problème. Voilà, donc, pour Joachim, t'arrives à 59, hein. Il n'y a pas de problème, ça passe bien, mais c'est vrai que j'ai pas mal de bruit aussi derrière, mais tout le monde passe bien au-dessus. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème, autrement, ben, rien d'autre de bien, bien particulier. Je ne vais pas trop m'attarder, je vais peut-être s'en faire encore un petit tour, parce que YL a commencé à aller se coucher, alors pour empêcher de trop dormir, autrement, peut-être obligé de donner des somnifères pour faire de la radio, dur, dur, hein. C'est ça, là, la jeunesse, l'ancienne jeunesse, m'en passer comme ça, pour faire avec. Hein. Voilà, autrement, rien de rien de plus. Laurent, t'as fait le chili là sur le centimètre SSB. C'est super. Moi, j'ai fait le Charlie Echo 2 Mike Lima, je crois, oui. Il a les récoltions, par contre. Et j'ai fait le Kourou aussi, kilo FY, 5 kilo et tout, là. Contacté déjà 2-3 fois, 10 et 12 mètres. Et puis le Tchad aussi, le Tchad qui m'a passé. Il me passait 55, j'ai passé 55. Mais j'avais qu'une soixantaine de watts et toujours la 5 RV, hein, même sur 10 mètres, quand ça veut passer, ça passe. Hein. Mais c'est vrai que la propagation était bonne. Hein. Alors le chili en fait double hein, sur 10 mètres, alors lui il arrivait costaud. Hein. Et il en fait appel de temps en temps, il n'y avait même pas beaucoup de monde pour répondre. Il était carrément en début de bande, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, toutes les news de mon côté, SWX, oui, c'est un petit peu moins beau qu'hier. Hier, il y a ce beau chaud. Aujourd'hui, ça a été un petit peu couvert. Il y avait encore un petit bris du nord, là, qui, bien à l'abri, on était bien, mais enfin, on ne sait pas quoi, mais enfin, un petit peu de fraîcheur. Donc, on va voir demain, si ça a plu vers le Joachim, peut-être que ça va monter un petit peu pour nous. On aurait bien besoin d'une tranche de 40 mm, là. Ça ferait du bien au jardin. Enfin, bon, on verra ça demain. Avec les stars, 4 Delta Zulu Golf Laurent, pour l'ensemble du QSO, et 5 Juliette Roméo Yonki. Oui, QSL, hein, QSL, très fort et très clair, très très fort et très très clair, Robert, là, QS plus 20 dB, ça marche vraiment super bien, en tout cas, eh bien, super, hein, super, super, je suis bien content, bah, pour Christophe aussi, là, et ma foi, bah, on va voir, là, quand ça va, oui, il faut que tu raccourcisses un peu ton antenne, Christophe, si tu veux la remonter, hein. Tu veux la remonter, la recentrer là, sur 80 un peu plus haut. Il faut la raccourcir un peu pour faire des essais. Voilà, simplement. Voilà les copains.
Bah moi je suis toujours en phase, j'apprivoise toujours la montre du Kenwood, mais il est super là ce petit appareil, hein. Il est super. Joachim, pour info, alors j'ai téléphoné là, tu m'avais donné le numéro là de l'OM pour le fil, pour fabriquer l'antenne filaire, hein, donc je l'ai appelé ce matin. Il est sympa, il m'a répondu parce qu'il était en vacances. Et il reprend le coup, il sera dispo à partir de mardi prochain. Donc mardi prochain, là, je lui ai dit que je vais l'appeler et je vais commander une bobine de 100 mètres de fil, puisqu'avec Jacques, on prend chacun la moitié. Et on va la récupérer hier un matin. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, comme ça bah, on évite les frais de port. Et on récupère la bobine là-bas. Hein. Voilà, donc mardi prochain, je passe commande et je récupère ça le samedi. Voilà les copains, et je confirme, hein, comme disait Robert, la propagation est bonne. Hein. Il y a de bonnes conditions là, de propagation sur un peu toutes les bandes, de 10 mètres, de 15 mètres, de 20 mètres. Et là, il y avait encore du trafic à 110 mètres. J'ai l'antenne qui est tournée sur l'Amérique du Sud. Il y a la Guyane, là, il y avait Fonction, Kissin, Kilo et Kong qui passaient. Il y a des stations brésiliennes qui passent. J'ai fait le Chili tout à l'heure. J'ai entendu l'Uruguay aussi, 2-3 stations uruguayennes. Le Chili, là, plusieurs stations également. Là, il y a des trucs à faire. Voilà, moi j'ai pas des super signaux, mais il y a moyen de faire des QSO quand même. Hein. Voilà, allez, je retourne le micro du côté de Daniel, Fox 4 Golf Bolivar Romeo pour l'ensemble du QSO, Florida 4 Delta, sur le Golf. Je vais devoir arrêter, hein. J'ai un bruit pas possible.
pas bon ce soir, les copains, voilà. Et donc, Laurent va chercher les photos de la famille, t'envoyer les photos, et puis, ouais, j'aimerais bien aller le plus vite possible là-bas en haut, là. Je voulais faire mes affaires avec toi, je pensais que sur les coups des 19h, t'étais à la maison, mais c'était pas le cas. Et après, bah, j'ai dû rentrer, parce que faut s'occuper de la bouffe, faut s'occuper du chat, faut s'occuper de ceci, puis faut s'occuper de cela, enfin, je peux pas être partout, hein. Voilà, donc au moins, j'ai pris l'appareil, et puis j'ai planté sur la table du jardin, j'ai planté la bagnole à côté, et puis deux fils, et puis voilà, quoi. Ok, mais en tous les cas, il n'y a pas un bruit pareil comme ici, hein. Ça vient juste à faire mal, hein. En tout cas, ce soir, c'est juste pour moi infernal. Voilà. Par contre, je crois que vous m'entendez bien, donc c'est pas mal. Bon, autrement, j'ai remis tout le monde. Non, pour moi, c'est très court ce soir, donc voilà. Je te passe le micro, Robert. Je pense que je voulais être au meilleur aussi. On t'aime vraiment trop bien, tout le monde. Ouais, donc, Christophe, sans problème. Allez, bah, ça va être mon dernier tour. Ça arrive bientôt 22h. J'ai dépassé un petit peu l'heure. Alors, bien content de vous avoir copié ce soir, il n'y a pas de problème, dans des bonnes conditions. Ça craque un peu, mais enfin, ça se passe bien au-dessus. Hein. Voilà, il y a toujours un petit peu de vent sur 10 mètres, le Chili est toujours en pied double, hein. Mais ça, pour couper, c'est beaucoup, beaucoup baissé. Hein. Je l'écoute dans les sacrètes, et il en sera en fait, il doit y avoir un petit peu moins de client. Hein. Enfin, bon, faut pas question pour ceux que, combien de temps toute l'après-midi, il y a eu du monde partout, là. Et tous les jours, c'est comme ça. Hein. Voilà, pas de problème. Allez, ben, je vous souhaite une bonne soirée, à vous trois, une bonne nuit, les bonnes 513, 88 Sandy renouvelé, 88 à Daniel, et 73 aux écouteurs, et je vous dis certainement peut-être demain ou un petit jour dans la semaine, hein. Je reviendrai faire un petit tour, de temps en temps, je suis pas en cuisson, mais je viens faire un petit peu d'écoute, hein. Ça dépend des conditions. Allez, merci pour le contact, le micro à Laurent, F4 Delta Zulu Golf pour l'ensemble du cuisson. F5, Juliette Robert Yankee qui va passer en QRP, qui vous écoute encore un tour. Ça va, très à tous. Oui, bonsoir, merci Robert. Là, tu as des pointes à plus 30, hein. Des pointes à plus 30 dB. Incroyable, très costaud, hein. Très, très costaud. Voilà, je suis en train de regarder les photos à Christophe. Eh bien, Christophe, félicitations, hein. C'est juste magnifique. Ah, moi, je suis content pour toi, si tu savais. Parfait, là, il faut que tu laisses peut-être te promener installé là. Tu ne me touches plus rien. Et tu vas faire tes réglages, tu vas les peaufiner. Hein. Et encore, tu as pratiquement pas besoin parce que, avec la boîte interne là, du TX, tu vas rattraper très très facilement. De droite, là, c'est rien. Tu vas rattraper ça comme un poitrinaire à pont avec l'icône. Génial. Et l'angle d'ouverture est absolument parfait, Christophe. Voilà, bah super, hein. Ah, là, c'est vraiment top, là. Je me réjouis vraiment, hein. Voilà, tu vas voir, c'est arrivé comme la Trumba, là, ça, c'est sûr et certain. Parce que là, elle est bien installée, hein. Par contre, Christophe, j'ai une question à te poser. Comment tu as fait pour aller l'installer en haut, au-dessus du drapeau, hein. Est-ce que t'as grimpé ou le mât, il est démontable, je sais pas. Tu le diras ça au prochain tour. Allez, je retourne le micro du côté de Daniel. Donc, 4 golf Lima Romeo pour l'ensemble des QSO, parce que 4 Delta de l'Ogol. Oui, quelques mots sur les premières secondes, et après ben, le bruit s'est installé, donc fini. Pour moi, c'est un peu comme chez Christophe, où les nuits, son bruit, apparemment, il est beaucoup plus haut que chez moi. Moi, c'est plus sec que ça. Ça devient un peu plus difficile.
Laurent, en tout cas, je te copie bien. Robert aussi. Et Christophe, ça passait encore. Nickel. C'est vrai que ça fait le pas Christophe. C'est super. En tout cas, c'est bien fait. Et ça a l'air de bien fonctionner. Enfin, il n'y a plus qu'à essayer. Après, comme tu dis, Laurent, ils sont dans la boîte à tour de pour faire le truc. En tout cas, c'est super. Pour vos contacts longue distance, je vais voir si je peux pas en faire un ou deux tout à l'heure. Et ouais, ça fait un peu de temps. Bon, je vais quand même essayer, histoire de voir. Autant bravo 3 Yankee Mike Mike de Fox 64 et dire papa Yankee. Ouais, je crois que. Contrôle. Je crois qu'il m'a repassé le micro, Joachim. Non, mais c'est infernal, hein, j'ai beaucoup de peine à vous recevoir tout ça. Ma phrase est comme ça. Laurent, bah, il passait le plus fort. Oui, le vent de drapeau est démontable en trois parties, hein, donc. Ça m'a donné la possibilité d'enlever les tubes et puis après de travailler au sol et puis de percer le tube en haut là en 6 mm et puis de mettre des contre-écrous, écrous rondelles et tout ce qui va avec et puis voilà. Donc maintenant, à mettre du jus, avoir une génératrice, bon la génératrice je l'ai de par la voiture, mais on fera un essai, hein, mais bon. Ça va pas le faire là, si je regarde la météo pour demain, donc ouais, je sais pas ce que ça va donner demain, mais ouais, là on attend beaucoup de pluie sur les coups des midi, 13h, 14h, 15h, voilà, et puis après, bon, mais il faut que je mette des plans, ouais, il faut mettre les planches et tout, là, c'est mon petit sac, hein. Oui, bah c'est clair, hein, avec deux de TOS, c'est clair qu'un petit coup de tunnel, et puis c'est réglé, hein, en tout cas. Là, une chose est certaine, c'est que j'ai quasiment pas de bruit là-bas en haut, c'est impeccable, je suis loin des perturbateurs de la gare et des gens dans cette baraque, parce qu'on est 17 pelés, 17 appartements pelés, fois 3, donc ça fait beaucoup de pelés. Et voilà, on verra, je trouve une combi, là. C'est peut-être pas impossible, là, voir la température qu'il fait demain. Je serai peut-être en fréquence depuis là-haut demain. Voilà, je suis en train de contrôler un truc, là. Ok. On verra, voilà. Mais en tous les cas, j'ai entendu des signaux pas possibles, là, quand j'ai planté l'appareil sur cette table, et puis... Non, c'est un truc de fou, quoi. J'ai dit, mais j'y crois pas, il n'y a pas de réception, quoi. Je suis tellement habitué d'avoir un bruit de brouhaha, puis tout ce qui va avec, hein. Et là-bas, ben, c'est vraiment très fort. Oui, j'ai mis ma clignaison pas trop horizontale non plus, mais je sais pas si je vais changer quelque chose ou pas. Mais c'est incroyable, hein. Sur 36, 46, je suis pile poil, l'aiguille du rose ne bouge pas. Et juste un petit peu au-dessus, à 97. Alors maintenant, la question reste à savoir, mais j'ai pas eu le temps de faire les essais, mais j'irai demain matin. C'est de voir ce que ça donne sur le 10 mètres et le 15 mètres. Hein. Le reste, ben, j'ai pas le droit. Hein. Oui, j'ai le droit encore aux 160 mètres. Hein. Je suis un peu couvert avec 211 mètres. Hein. Mais, une chose est sûre, c'est que les 4 trappes, elles sont bien dans l'air, impeccables, pas dans les broches. Et là, je pense que c'est juste une question d'ajustement et puis de peut-être raccourcir de 2 cm de chaque côté, hein, pourquoi pas. On va essayer tout ça, hein. Et ensuite de quoi, ben, au niveau des isolateurs, ben, il n'y aura plus de la ficelle en nylon. On va faire ça comme des pros avec du câble acier gainé et des certains petits détendeurs de chaque côté, puis ça devrait galer, quoi. Ouais, des œillets dans l'arbre, là, puis c'est bon, quoi. Bon, je vous parle là, les copains. Du côté de Robert, François, je voulais être réveillé aux Yankees, j'espère que je vous entendrai mieux sur ce prochain tour. Hein. Pour le QSO des années, c'est bravo 3 Yankees Mike Mike. Là, tu es 59 plus 20, 25, ici sur le quai Brude, hein. Donc, fort et clair, hein, percutant. Je suis sûr que si j'avais le FC1000, tu serais plus 30, 35. Bon, il était plus généreux au SP, c'est FC1000.
aussi, hein, j'ai une bonne... Ah, mais tu vas voir, hein, tu vas te régaler, Christophe, parce que tu n'es pas habitué. Moi ici, j'ai une réception très calme également, et tu n'es pas habitué, parce que je connais les conditions de réception là, chez toi. Et tu vas voir que l'ICOM 756 Pro est très silencieux en réception, c'est un très très bon appareil. Et moi, c'est ce que, quand je l'avais eu au tout départ, il y a un peu plus, il y a un bon moment, là, il y a une vingtaine d'années, que j'étais passé d'un IC 746 au 756 Pro, je me disais, mais c'est pas possible, j'ai un problème avec les antennes, là. C'est non, c'est tout simplement que l'appareil fait bien son job, et il y a très très peu de bruit de fond, et ça sort les signaux, voilà, tu vas te régaler. Tu vas voir, tu vas faire des signaux faibles, tu vas pouvoir contacter des gars avec des petits signaux, là, ça va être super. Hein. Voilà, je me réjouis pour toi, Christophe, mais tu sais quoi, ne touche plus au niveau de... Parce que là, de toute façon, c'est les photos, hein. Ne touche plus ton angle d'ouverture de ton dipôle, il est tout simplement parfait. Désaccroche là, tout ça, c'est bon, t'as trouvé les bons endroits. Après, tu pourras jouer peut-être un peu sur la longueur, si tu veux la remonter un petit peu... En séquence, la recentrer un petit peu plus pour le QSO des aînés sur le 80, comme ça éventuellement tu pourras faire le QSO sans avoir recours à la boîte de couplage. Hein. Tu pourras passer en direct et envoyer tes 100 watts directement dans l'antenne, hein, comme ce que je fais maintenant. Et tu vas voir comment tu vas passer. Hein. Et la réception, tu vas te régaler là. Voilà, et ben super, vraiment des bonnes nouvelles. Et moi, ton mode en tête, là, ça tombe un peu d'un coup, là, il faut que je m'en trouve. Alors, j'ai regardé un peu sur Internet, là, sur eBay, c'est vraiment pas mal du tout et c'est pas cher, hein. Ça vaut à peu près une septantaine d'euros. Donc, je crois que je vais peut-être en commander un ou deux. Ils sont pas mal, là, parce que moi, mes fixations de dipôle ici, c'est pas qu'ils stoppent, hein. C'est du provisoire qui dure depuis des années, mais c'est pas fait dans les règles de l'art, hein. Voilà. Que dire d'autre? Oui, parce que vous parlez du bruit de fond, bien entendu, qui est faible, c'est normal. Et ça fait comme moi quand je suis là-haut, du côté du Mont-Rollin. Eh bien, j'ai pas du tout de bruit, puisque je suis en pleine campagne là-haut. Et eh bien, des stations sur 80 mètres, là, qui sont S3, S4, je les contacte et je les entends sans aucun problème. Et je pense que c'est ce que tu vas avoir, que tu vas pouvoir expérimenter là-haut du côté du chalet. Bah écoute, super, espère. Voilà. Donc je vais retourner le micro du côté de Daniel, là, qui sera tout sur Joachim. Fox 4 Golf Lima Romeo pour l'ensemble du QSO, Fox 4 Delta Zulu Golf. Daniel, Foxtrot 4 Golf Lima Radio, Foxtrot il n'y a pas un petit qui reprend, mais je te souhaite une bonne soirée ainsi qu'à Robert qui est passé en QRT, et je vous dis à demain au moins pour toi et puis peut-être pour Robert s'il le peut. En tout cas, super, c'est bien d'être passé. Ici, ben, le temps je vous l'ai donné, pour le moment il n'y a pas la pluie qui est annoncée, mais bon, ça devrait, je pense qu'il est tout de pouvoir quand même, c'est lui. Donc ça prend pas de mal. Plus grand chose, demain c'est bon, comme pour beaucoup, et puis on espère qu'on pourra faire des essais avec l'ami Christophe demain soir. Autant bravo 3 Yankee Mike Mike, le François 4, il n'y a pas Papa Yankee. Attends, Laurent, j'ai le train. Ouais, QSL, ok Christophe, je vais 3 Yankee même pour ce 4 Delta de Lugol. Voilà. Bah écoute, tiens, j'en parle en... Oui, bah pour les essais, Christophe, demain, alors moi je sais que la météo, ils annoncent des orages, hein, demain après-midi, nous,
peu la même météo, je pense, hein, parce qu'on n'est pas loin du tout. Je suis en train de regarder là, au niveau du déroulé de la journée, ouais. Ça commence les orages à partir, non pour nous, hein. La pluie à partir de 11h, les orages entre 14h et jusqu'à 20h, enfin 19-20h, hein, donc je ne sais pas si tu viens au QSO tôt le soir ou si tu veux faire des essais plus tôt, mais jusqu'à 19h, orageux, hein, donc toi tu vas voir à peu près la même chose, Christophe, et après, éventuellement, ouais, bah, jeudi le temps il n'est pas terrible non plus, hein, c'est la pluie et ça s'arrange. Éventuellement vendredi. Si on peut pas là dans la paire de jours, qui vient, si on peut pas faire les essais, on essaiera vendredi, on peut éventuellement fin de journée tout ça, vendredi c'est bon, c'est calme. Hein, au niveau de la météo, donc à voir. Sinon demain, si on a une fenêtre, si des fois les orages se calment un peu plus tôt. Voilà, mais demain à mon avis c'est le compromis. Hein. Allez, je retourne le micro du côté de Joachim pour ce 4 Delta Papa Yankee. On va laisser passer le train pour Christophe. Pour ce 4 Delta Zulu Golf. Oui, merci Laurent. Pour ce 4 Delta Zulu Golf, pour ce 4 Delta Papa Yankee. Tout sur les derniers tours, c'était pas mal brouillé. On va voir que c'est la finale, si ça passe un petit peu. Mais en tout cas, ça va être pas mal grésillé. Voilà, on voit pas grand chose, on attend que le train passe, 22h10, encore attendre 30 secondes, des fois que le train se soit arrêté, qu'il soit reparti. J'espère que ça va tourner vite et qu'on a du train pour le parce que ça devient pénible, surtout pour lui. Pour nous, c'est plutôt rigolo, mais pour lui, c'est peut-être pas amusant en tout cas. Je vais regarder les heures de passage du train et couper. C'est une sacrée gymnastique. Bon, en tout cas, c'est très bien, mais bon. Dommage que la SNCF, les pilotes de la SNCF de Suisse n'aient pas trouvé une solution rapidement. Parce que ça commence à durer. Potin, bravo 3, Yankee, Mike, la France 4, il n'y a pas de Yankee. À toi, Christophe. Ouais, ok, ouais, j'ai toujours un brouillard pas possible là, c'est impressionnant. Voilà, 3 Y et même qui reprend, mais je voulais quand même saluer avant que je parte vous saluer. Donc, du côté de Saint-Denis, Pouilly, dans le 01. Je salue bien Lionel qui m'a donné des petits reports. Faustin, Juliette Romillon qui passait 59 plus 10 à plus 15 dB. Toi Laurent, 59 plus 15 à plus 20 dB. Golfima Radio, 58 à 59. India Papa Yankee, 59 plus 10 dB. Et moi, entre 59 plus 5 à 10 dB. Voilà, donc on salue bien Lionel, on salue bien Bernard, on salue bien Florian. Voilà, mais je pense que demain soir, je vais pas regarder encore à fond la météo. Mais normalement, demain soir, ça devrait gager, 21h, ouais, normalement, demain soir, je serai au chalet avec un maillot, là, comme ça, je peux alimenter le l'icône, là, et puis j'irai sur ma terrasse, là, il va faire très très froid, hein, donc, lors de 12, 13, 14 degrés, là, on verra bien, voilà les copains, bon, bah, alors, moi, je vais vous laisser, je repasse peut-être le micro du côté de Laurent, puis je vais clore le QSO. À toi Laurent, France 4 Delta Zulu Golf, Hôtel Bravo 3, Yankee Mike. Oui, QSF Christophe, un très fort et très clair là. Moi tu m'arrives comme un boulet de canon. Mais c'est bon, j'ai noté que l'appareil là est moins généreux au SMS que le STV là, mais bon, ça change rien, je veux dire. Là j'ai l'écoute. J'ai une très très bonne écoute, je suis surpris par ce petit truc là, par la qualité de réception. Voilà. Mais ok, bah écoute, Christophe, tu me diras, tu me tiendras au courant, hein, tu me fais un petit message là. Si jamais, et puis si jamais tu veux faire des essais un peu avant le QSO, sur le coup de 21h, si t'es par là-bas. Hein. Voilà, et puis tu vas voir. Moi je te fais tes premiers tests et après tu vas raccourcir un petit peu ton antenne. Pour remonter un petit peu la remontée en fréquence sur le 80 mètres, comme ça tu pourras faire le QSO, sans boîte de couplage. Hein. Moi je vois bien ça comme ça, voilà, affaire à suivre. Et ouais, bah tu vas te ponter sur la batterie, tu vas être obligé de laisser tourner le moteur. Hein.
Voilà, sinon tu vas la mettre à jour, la pompe, ou alors, si tu veux faire moins long, tu descends la puissance à 50 watts. Hein. Tu descends le poste à 50 watts et tu verras que ça joue. Parce que là, c'est un bon aérien, donc même avec 50 watts, ça va jouer. Hein. Voilà, allez, moi je vais retourner le micro du côté de Joachim, c'est pareil. On en retourne, je vais repasser un tour, vous saluer. Et puis, je vais saluer tous les visiteurs parce que j'ai oublié là, de saluer nos amis SWL. Hein, donc, je les salue bien, indicatifs ou non. Tous nos amis là, qui font l'écoute du QSO, allez, je repasse un pour vous saluer. Pour ce 4 et demi à Papa Yankee pour l'ensemble du QSO, pour ce 4 Delta, je vous gosse. Oui, merci Laurent, Foxfox 4, Delta, je vous le gagne pour Foxfox 4, et Yafa Fayanti qui reprend sur le groupe. Alors, avec Christophe, l'idée du fusée, c'est une bonne chose. Tu peux mettre en route le moteur, effectivement, mais sur les. Alors, je crois que c'est une 208 ou 206, je n'ai pas trop bien vu. Enfin, je ne sais pas trop dans la photo, mais en général, les batteries ne sont pas très grosses sur la 206 et une essence, encore pire. Donc, le mieux, ça serait que tu aies une deuxième batterie pour faire ce genre de valise, quoi. Et une batterie un peu plus conséquente, qui te permettait d'éviter de descendre à pied chez toi avec la batterie sur le dos, à la chip. Et donc voilà, c'est le conseil que je te donne. Après, tu fais comme tu penses, tu poses le bouton aussi, tu peux le faire. Mais avec l'allumage de tension, ça risque de te créer des parasites. Après, tu nous diras en tout cas ce que ça fait et quels sont les résultats. Donc, au revoir à votre Yankee. Mike, de François 4, il n'y a pas Yankee. À Christophe. Oui, ok, hein. Merci Joachim. J'ai compris maintenant que tu m'avais passé le microphone. Oui, non, mais moi, si je fais des essais, je vais laisser la voiture en route. Et puis, de toute façon, j'ai pas de vue. Donc, autant monter avec la voiture, puis je vois clair. Hein. Suffit de laisser les phares allumés, là. Question de faire un petit QSO avec vous. Mais j'ai déjà fait un QSO pendant. Ouais, j'ai bien fait une demi-heure, hein, avec 100 watts. Et puis, la bagnole, elle est repartie, la batterie, elle est hein, donc. Voilà, mais bon, en même temps, ouais, il n'y a pas énormément de tirage avec 100 watts, hein, donc ça devrait jouer, il n'y a pas 10 ampères, hein, donc c'est bon, quoi. Ok, alors, Laurent, je t'ai envoyé le mail où j'ai commandé mon mat drapeau, là, sur Internet, il m'a coûté 69 francs, tout compris, hein, donc le drapeau, le mât, les fixations, la visserie, et puis la TVA comprise, et le pour compris, hein, 69 francs, voilà. Donc, mais le truc, c'est que, ouais, c'est en Suisse, donc je sais pas si tu livres en France, hein, mais je peux très bien t'en commander à ici, et puis, il n'y a pas de souci, hein. Donc, parce que là, il y a encore du 20%, hein, et puis tu choisis le drapeau que tu veux, ils ont tous les drapeaux, hein, il suffit d'aller regarder sur leur site, là. Je viens de t'envoyer le lien, et puis, je peux très bien t'en commander, hein. Je dirais, je sais pas, à la fin du mois ou comme ça, hein, quand tu viendras, je sais pas quand, là. Mais là, c'est vraiment le top, hein. Et puis, il y a le manchon, hein, qui fait à peu près 60 cm. Donc, c'est des tubes qui sont, donc, en boitable, ils font c'est des tubes à l'huile de 50 mm de diamètre, hein. Voilà, donc, c'est vraiment impeccable. Avec la petite, les deux petites cordelettes, là, qui sont à peu près en mètre, évidemment, pour faire coulisser le drapeau. Et je peux très bien t'en commander là, ici, et puis toi réserver, et puis quand tu viendras là, eh ben, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, ben, c'est une bonne idée, non, c'est super pratique, hein. Mais on verra, je pense qu'on va quand même, avec Sani, raccourcir 2-3 cm de chaque côté, hein. Tout on a raccourci à 99,5 de chaque côté, mais là, je pense qu'il faut raccourcir, je pense, encore un tout petit peu, hein. Je suppose 3 cm, puis je serai... Nickel extra du ciel. Mais c'est vrai que ça m'a fait drôle parce que, comme tu as dit Laurent, la première fois là, quand je suis arrivé avec la bagnole là, fin d'après-midi, début de soirée donc, et puis que je me suis dit, mais dans le bleu, est-ce que je suis sur la bonne antenne, antenne 1, antenne 2, hein, parce que tu sais qu'il y a deux trucs là. Et puis la maniquette entre l'Icom et le ST1000, quand tu es habitué avec un appareil, t'as un petit peu de la peine. Mais j'ai retrouvé tout de suite le truc, et puis après. Quand je voyais que j'avais un S3, j'ai bougé le VFO, puis je recevais des gammes à 9 plus 30 dB, un truc de fou, quoi. Bah oui, bah c'est ça, hein. T'as dit que les enfiles, bon, bah je veux pas trop me plaindre, hein. J'ai déjà de la chance depuis la maison.
procure à familial de pouvoir utiliser cette antenne. Voilà, Laurent, je t'ai tout envoyé sur ton mail. Voilà, les copains, bien, ben, je vais vous laisser. J'ai eu encore un petit mail de mon ami France 4, Juliette India Mike. Système du côté de Merville, dans le département 59, là, il avait un problème. Si vous voulez y envoyer sa QSL, c'est francecaljulietteindiamike@orange.fr. Et maintenant, ben, on va pouvoir lui envoyer une QSL à notre ami Christian, s'il nous écoute, on le salue bien. Voilà, que le faisceau des années ce soir, pour participer, France 5, Juliette Roméo Yankee dans le 42 La Loire, Robert, France 4, Delta Zone Golf dans le 73, Laurent, le lac Ex-Riba, aujourd'hui lac du Bourget, France 4, Golf et Lima Radio, la gueule, le département 89, Daniel Le, et ainsi que mon ami Joachim, dans le Vaucluse, le département 84, France 4, India, Papa Yankee, et puis en parlant du Vaucluse, on a vu une émission là sur les fraises. Donc, si tu as des bonnes fraises de ton côté, Joachim, QSO terminé et je salue bien tous les écouteurs et les écoutes et à demain. Ouais, Joachim, c'est à toi. Oui, merci. Alors, en 364, non, je vais retrouver un petit mic-mac pour 364, il n'y a pas mal à qui ont pas trop de finale. Mais merci Christian pour l'animation et effectivement j'habite pas loin de là où tu as vu ton émission. Voilà, écoute si tu as l'occasion de passer par le coin, tu pourras finir. Ben, je te retourne le micro, Laura, puis voilà, puis moi je passe en QRC pour cette 4 de base de quand déjà pas ici. Et vous salue bien. Oui, QSL, merci Joachim, pareil, c'est mon dernier tour. Salut Joachim, merci d'être venu, hein, tout bon et bonne journée pour demain. Toutes les bonnes amitiés, bien entendu. Alors, Christian, concernant le main de drapeau, là, pendant que tu parlais, ouais, j'ai bien reçu la facture, mais à mon avis, il ne livre pas chez nous. Mais j'ai trouvé sur eBay, et à mon avis, ça ressemble à deux gouttes d'eau à ton truc. Et moi, ce drapeau, on a vu de 625 cm3 avec du drapeau au choix. Il y a même le drapeau, et en effet, le drapeau suédois, mais moi, je veux mettre le drapeau de Savoie. Comment dire? Et j'ai trouvé ça là, 54,90, hein. 54,90, livré depuis l'Allemagne, hein, pour un cul. Voilà, mais ils ont différents trucs là sur eBay, je vais regarder, parce que moi, on prend pas mal de trucs sur eBay. Et là, il y en a différents, et ça pourrait me faire des supports plus définitifs là pour mon dipôle. Voir si je trouverais même un petit peu plus long. Voilà, je vais fouiner tout ça. En tout cas, merci pour les infos, Christophe. Et moi, je suis très très content pour toi, parce que tu vois, cette Kelemen, quand elle est installée correctement, eh bien, elle fonctionne très très bien. Après, demain, si tu es en mobile, moi, je te conseille de réduire un peu la puissance du poste, pour pas trop solliciter ta batterie. Tu peux même descendre à 70 watts, hein. De toute façon, ça met pas beaucoup, il n'y a pas grande différence, hein. Tu verras, et en plus ton antenne va travailler, donc c'est pas comme moi quand je suis avec l'antenne mobile, hein. Là tu auras une antenne digne de ce nom, et tu pourras réduire un petit peu la puissance d'émission là, de ton poste pour soulager un petit peu ta batterie éventuellement. Voilà, on verra. Si, écoute Christophe, s'il y a une fenêtre météo, hein, si jamais c'est faisable pour toi demain soir, si t'es pas dans un orage là, t'es pas pris dans un orage, ou que t'as pas des trompes d'eau qui tombent, on peut essayer demain, voilà, tu nous tiendras au courant. Allez, moi je vous salue tous, je resalue les écouteurs, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, et puis au plaisir de vous écouter demain. Comme dit Christophe, je jette le micro en l'air, ou Christophe, tu reprends si t'es encore par là. Je vais trouver avec Ebem, Fox 4 Delta, Zulu Golf, et la bise à Sani. Ouais, ok, Laurent, super, impeccable. Ouais, c'est reçu, impeccable, t'arrives entre 10 et 20, c'est des fois à 25, hein. Oui, pour le drapeau, je pense que c'est le même que le nôtre, hein. Ben, c'est parfait, hein, si tu trouves ça impeccable, hein. Il y a un bon champ sympathique qui est livré avec, qui fait à peu près 60 cm de profondeur, et bon, on l'a traîné au sol avec du béton, là, du ciment, pile, là. J'ai fait
dernière finition cet après-midi avec Samy, j'ai mis du silicone. Pour passer des entrées d'eau et tout le bordel, mais c'est un peu simple. Parce que l'avantage de ce genre de truc, c'est que tu peux démonter. En fait, tu soulèves le deuxième tube, et puis c'est pas lourd, et puis tu peux travailler et mettre tout ce que tu veux dessus. La petite X50 au bout. Voilà, puis l'avantage avec la Canon, elle fait le bandage, du côté gauche et du côté droite. Voilà, impeccable. Qui est top. Ouais, mais ça c'est super chouette. Hein. D'ailleurs, c'est un truc à utiliser pour les gens qui sont en portable. Bon, le truc, c'est qu'il faut quand même faire un petit trou, hein, quand même. Enfin, un petit trou, ouais, il faut quand même percer à 50-60 cm. Hein, mais même si quelqu'un a ce genre de truc avec un piqué de